Bonjour. Bon, ça te dit, on parle un peu de Telma, de ralentisseurs, de trucs comme ça. Parce que là, en fait, j'ai les nouveaux Iveco, en fait, avec le ralentisseur électrique. Bon, nouveau, ça fait un moment quand même qu'ils sont arrivés donc dans l'entreprise. Mais en fait, je trouve que ce ralentisseur est vraiment spécial, quoi. Parce qu'au début, tu mets le premier plot, ça met l'échappement, ça c'est normal, il n'y a pas de changement, tout va bien. Et après, tu mets tes plots suivants. Du premier au quatrième plot, il n'y a quasiment rien qui se passe. Alors le car, si, il ralentit, hein, mais c'est léger. Et d'un coup, mon pote, tu mets le cinquième plot, je te jure, tu passes de 100 à 0 km/h en 4 secondes chrono, quoi. Le truc, il t'envoie sur Mars, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et après, tu mets le dernier plot, c'est le sixième, je crois, il n'y a plus rien qui se passe. Alors voilà, donc si parmi vous, il y a des collègues qui roulent avec ces cars-là, dites-moi si pour vous, c'est la même chose ou pas. Sachant que c'est que sur les versions avec ralentisseur électrique et non hydraulique, hein, ce qui paraît logique. Iveco, qu'est-ce que t'as fait encore? Il y a des gens qui me regardent, c'est normal. Oui, je me filme et alors je me trouve beau, ça vous dérange? Oh! Bon, du coup, pour vous faire une petite démo, je vous ai fait un petit montage. Vous allez vite comprendre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est dingue, non? Allez, à bientôt!